YouTube. Essaye YouTube quand ça va. Ensuite, je vais refresh la capture. On commence à être, voilà, on commence à être rodé, on connaît maintenant le PC. La boule magique. C'est comme une voiture, vous savez, le PC c'est comme une voiture. Faut pratiquer régulièrement pour bien connaître comment ça marche. Donc on, voilà, ça c'est notre coffre, on le sait. Mais attention, hein, ne pas regarder dans l'armoire à la sortie de ma chambre. Tout ce qui est hors de ma chambre, c'est pas chez moi. On a déjà eu des soucis. Hein. Ok. Donc nous sommes évidemment au Mexique. Bon alors du coup, c'est à gauche le chat, enfin, ça va être dur. Ah, salutations. Non, essayons de sortir par le devant. À l'envers. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, très bien. Ce n'est pas une wanted. Abraham Reyes. Je vous confirme. Oui, j'ai pas le permis, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas le permis, ça j'en ai marre. Comme un bon parisien relou. C'est vrai qu'à Paris, le permis n'est pas nécessaire, on va dire. Vu l'emmerdement... Enfin, vu le nombre de transports en commun, l'emmerdement global de trouver une place à Paris et le coût, évidemment, d'avoir une voiture et de la maintenir. Alors, de l'entretenir. Ah. Je suis pas Louis, j'ai enlevé de la saturation. C'est pour l'ambiance, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait avec son couteau et son yinche? What do you do with your couteau and your yinche? Ah non, il lui lance... Oh là! Alors comment on parle? Attends, j'ai envie de lui parler sans être hostile. Alors, comment ça va? Comment ça va? Ah, et... Alors, c'est pas avec le D-pad? Il est comment le café cette année? Non, ça c'est mon... Maintenant, je vais juste lui parler. Ah, avec le bas, on dézoome la map. Là, j'ai appelé mon cheval, qui n'est pas le bon, je crois. Hein. J'ai fait des conneries avec mon cheval. Ok, bon. Waouh, la Mintos T n'est plus sub. Attention Mintos, hein, sub vite. Ah bah non, c'est bon, t'es modo. Au cas où, bien entendu, on passera en sub only d'une minute à l'autre. Incroyable. Alors nous avons sur la carte, je vous connais, vous le savez, je vous connais. C'est le El Diablo. El Pollo Diablo. Qui nous explique la vie. Il a l'air d'en savoir plus qu'il n'en dit. Là, il y a un trésor. D'ailleurs, c'était quoi mon dernier trésor en date? Hein. L'inventaire. C'est le select. Enfin, je sais pas ce que c'est back ou window, j'en sais rien. Pff, sur Xbox. Je connais mal, hein. Je maîtrise mal la Xbox One. Et les boutons Xbox de manière générale. La carte au trésor. Ah, c'est encore ça? Mais non. Mais on l'avait pas trouvé celui-là? Ah non, je confonds, on ne l'a pas trouvé. Je confonds avec celui où on avait glissé, chef. Rio del Toro, près du fleuve. On est du côté mexicain. On attendait d'être au Mexique pour le trouver. On voit que à ce moment-là, le fleuve fait un petit truc comme ça de merde. Et il y aurait deux rangées de cailloux et un arbre naze. Avec en plus une tête de mort. Enfin, une tête. Voilà, tête d'animal. Est-ce que déjà sur la carte, on pourrait avoir un indice directement? On the map. Regardez, là par exemple, ma bite est un volcan. Là, de toute évidence, on voit que ça fait comme ça. Bon, il y a un rocher, mais en face, c'est pas impossible. Tout est possible, ne zappez pas. On va faire le long de la côte. Comme ça, directement. Et ben, directement, on fait pas de mission et les gens s'emmerdent. Faisons aussi un point sur nos objectifs en tant que chasseurs, etc. Les défis. Récolter 8 figues de barbarie à Punta Orgullo. Très important, hein, de cueillir des fleurs et des champignons. Il est dégueulasse ton chat, tel gringo. Ah, mais ça, je vous l'avais dit. Examinez la carte et essayez de trouver le trésor. Oui, d'accord. 5 défenses de sanglier et 3 carapaces de Audrey Tatou. Sanglier, ça déconne zéro. 5 oiseaux en vol depuis un train en marche. Ah oui, d'accord, c'est très circonstanciel. Très bien. Des tournois de bras de fer, formidable. Avec une planque également achetée. Des bras de fer comme dans... Merde. Ah. Merde. Putain. Oh, le trou de mémoire horrible. Le film avec Sylvester Stallone, bordel de merde. Le championnat de bras de fer, les camions. Le sale gosse. Est-ce que je suis encore joué pour s'arrêter? C'est... Non, c'est pas ça. Merde, c'est... Oui, c'est bien R2. Non, pas du tout. Ah, c'est R1. Enfin, l'équivalent R1, hein. Faites pas chier. Oh, vas-y.
Allez, allez. Non, mais ça va me saouler. Oh. Voilà, très bien. Je croyais que ça allait être dans... chiant, mais on a juste à faire... Non, c'est chiant. Over the top, merci. C'est pas under the gun, c'est over the top. Ah, le voilà. Saloperie. Mais il a un âne, pourquoi il se balade en âne? C'est-à-dire il se balade en pain indien qu'on peut rembourrer de fromage ou de viande ou d'ail. Welcome to Nuevo Paraiso, John. Très bien. Where do I know you from? Mais on s'est déjà vu. You're TMTC. Famous, John. You're the man who shot a bunch of banditos as soon as he turned up in this country. You're a man who decided right and wrong between a man and death, between a man and his wife. And who are you? You know, I admire you, John. I hope my boy turns out just like you. Ah, très bien. For your sake, I hope he don't. You kill people so easily, yet you respect the vows of marriage. That's very curious. I'll let the appropriate authorities judge my morality, friend. Yes, you will. And they shall. Non, c'est pas les clubs, c'est pendant les cutscenes, j'enlève ma tête. Ça a toujours été le cas. Monastery, taking the money she raised at the bank. Why don't you head up there and see if you can lend her a hand? Road's full of thieves. Either that or robbery. Je crois que j'ai mis le follow only, mon cher Amintos TV. I hope you don't. Merci, chelou man. Bon, ça, c'est vraiment dans l'optique de faire toutes les quêtes, hein. Trouver la bonne sœur près de la Sermanas. Ah oui, d'accord, j'ai vraiment pas suivi. Il m'a parlé de quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui se passe encore? Oula. Oula, le son. Allô? Le son, il est tout dégueulasse. Des bisous, Lovely X. Ouais, non, mais la Team 5, j'ai pas relancé. J'ai pas trop le temps. Mais merci beaucoup. Et félicitations pour le good run. Qu'est-ce qu'ils font? Ça chasse quoi? Ça chasse de l'ino... Mais non, mais pourquoi de l'assaut? Mais non, mais putain, mais pas de l'assaut! Oh my god! Putain de... Il est pas mort? Oh my god, he's not dead! Putain, le lasso au Dead Eye, quel mongolo! Ah non, mais j'ai pas joué depuis très longtemps, donc évidemment, faut se remettre dans le bain. Vous savez, Red Dead Redemption, c'est comme une voiture. Bon. You got anything interesting, friend? Et le son, bordel! Oh là là, il y a un beau cheval! Le cheval blanc, il est bien! It's a good cheval, isn't it? Go. I need the good cheval! Ah bah là, par contre, il me faut le lasso! Oh non! Oh my god! I need the good cheval! Il est où? Motherfucker! Mais quelle idée, mais genre les chevaux, ils vont... Ah, il est là! Oh my god! Je veux le cheval de Gandalf! Mais non, arrête! Ah, la saoulerie! Allez, je veux le cheval de Gandalf! C'est celui-là ou c'est de la bite? Non, il est pas mal ce cheval! Je sais que j'ai le cheval de guerre en DLC ou je sais pas quoi, hein, mais... Ou en Game of the Year édition, Mansby. Putain, le son! On n'a plus la sono! Mais le but, évidemment, c'est de ne pas avoir le cheval de la triche. Mais c'est sérieux, là? Ah, ça doit être un bon cheval, parce que ça a mis 8 ans et demi! Et le son! Il y a plus le son! La boule magique! Yes! C'est Gripoil. Merci Fébraise. Et Petit Parpin, si je ne l'avais dit. Merci pour les subs. I got a cheval. Oh si, il a l'air bien. Il a l'air correct. Alors. Ah bah c'est là la bonne sœur. Je vous connais, c'est la suite. Ah oui, une petite quête... inquiétante. Avec un peu de chance, après on tombera directement sur le train qui nous permettra de faire notre achievement des oiseaux. Et derrière, paf, le trésor sur la côte. Ça sera du génie.
Et comment je l'enregistre pour l'enregistrer? Il faut que je le pose quelque part. Ah oui, parce que si là, je ne l'enregistre pas... Excusez-moi, j'ai vu des plantes. Ce qui va se passer, c'est que... bah oui, pendant la fusillade à venir, sans aucun doute. Figue de barbarie? Ah, parfait, c'est ça que je dois récupérer. On optimise. I got to save the cheval. Ok. Donc à ce moment-là, pour sauver le cheval, il faut que je retourne à la casa, à Madrugada. Par exemple, ouais. Arrête Dijon, oui. Ok, on va faire ça. Pourquoi il y a la musique? Qu'est-ce qui se passe? Ça full drop? Ah non, arrêtez vos conneries. Non, ça drop zéro. Là, au contraire, j'ai une connexion qui marche très bien là cet après-midi. J'aurais même pu pousser le BPS, le KBPS, le bitrate à 3000. Mais bon, faut pas déconner. Là, il y a zéro drop, is ok. Ok, je sauvegarde mon cheval. Aïe, aïe! Ah, mais non, mais il veut me défier à... Quoi, tu veux... Oui, d'accord, c'est quoi le duel? Ah merde, il faut que je le... Ah, c'est un duel, vraiment, ok. Je croyais que c'était... Il voulait qu'on shoote des oiseaux, mais non. Alors, attendez que je me souvienne. Je vais essayer de le désarmer, c'est mieux si je le tue pas. Pour ma répute. Ma cam est à chier, gringo. Suce mon bi. Deux fois. Fais pas le con, El Gringo. Le son, on a des problèmes de son, hein. Ok. Et mon cheval, il est parti où? Il est parti où? At the strawberries. Ça fait peur à mon cheval, les coups de feu? Ok. Yeah, si, ah, que calor. Ok. Utilisation élevée du processeur détecté. Ah, ça, c'est autre chose, par contre. Alors, depuis hier, il me dit ça, j'aurais dû reboot. Je pense que c'est à cause d'un crash de Cubase. Donc là, en fait, il me dit, ouais, attention, ton PC va exploser. Je trouve ça quand même un petit peu improbable. Mais pourquoi il me dit ça? Putain, mais j'ai 32 gigas de RAM, faut rater les conneries au bout d'un moment. Je vais pas m'énerver, je vous le jure. Je ferme un maximum de trucs, hein. Putain, mais quelle bite en bois, quoi. Putain, mais y'a quasiment rien d'ouvert, pourquoi il me fait chier du cul? Bon. Vous inquiétez pas. Donc. Attendez, pourquoi il court, lui? Donc, direction... Oh, le train était là, en plus! C'est-à-dire que si je m'étais pas occupé de mon cheval, j'aurais vraiment pu comboter... C'est pas grave. C'est quoi, ça? Ah, le bras de fer, oui, d'accord. Voilà, oui, c'est quoi, ce délire? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Pourquoi tu cours? Qui te poursuit? On sait pas. Ah, il a juste eu peur des coups de feu il y a 8 ans. Ok. GG. Le son, il y a des problèmes de son. Allô, le son! Je suis pas m'énerver, hein. Je suis pas actualisé au pire. Un virus, putain, m'en aura plus que ça. T'as jamais compris comment faire un duel? Bah, c'est pour ça de simple. Quand c'est dit dégainer, tu dégaines avec la gâchette gauche. Merde. La gâchette de gauche. Et tu marques les points que tu veux viser avec, avec R1 ou RT, je sais plus quoi. Et si tu vises la main ou quelque chose du genre, si tu désarmes sans tuer, c'est facile. Si tu veux être sûr de gagner le duel, tu bourres la tête pour avoir un meilleur score que l'adversaire. Et forcément, il meurt de décès. Gros problème de son, hein. Ah, FFBE. Vous savez que je joue comme un gros connard à FFBE. D'ailleurs, j'ai pas craqué, j'ai pas mis les 50 balles pour le pack de la nouvelle année, là. Mais j'y joue vraiment plus d'une heure par jour à FFBE. Donc au final, vaudrait mieux que je le stream, ça serait plus rentable. Hein, parce que j'ai la maladie de ce jeu nul. Comme beaucoup de gens, hein, j'imagine. On pourrait dire, dans un sens, j'ai arrêté la clope. Mais hélas,
J'ai commencé FFBE, quoi. Salut, alors. Putain, mais pourquoi ça... Donner... Ah, il doit y avoir une leçon nulle. Tiens, je te donne 10 dollars. Salut, la petite pelle. Elle aussi, elle a un nain de fromage. Oui. Perhaps cast a little sunlight into their lives. Well, maybe, but ain't it the Lord's responsibility to look over his flock, not mine? Yes, but the Lord has brought you to me so you could help me. They're at their wits' end, and their faith has been cast aside. Ah, j'ai une Shizuru 6 étoiles, moi aussi. Oui, mettons-les sur le droit chemin. Bien sûr. Rendons les pauvres riches afin qu'ils soient pourris comme les riches. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, mec? Alors que j'ai dit, le fric, t'as perdu. Squeegee, quoi. Oui, c'est ça. Allez, Zoubi, hein. Bon, alors, normalement, si c'est la leçon du diable, paf, il y a des banditos qui vont arriver et sodomiser son âne. Ou pas. Alors, très bien. Putain, mais les bugs de son. Jean-Michel. We have sound problems. Sorry for the sound problems. What would you for a money bill? Ah, Sinal qui connaît les beaux. Bon alors le cheval, voilà. Incroyable, mais va, il sait bouger le fion. Moi, je suis... Alors, évidemment, pour l'instant, on n'a rien fait de constructif. C'est l'essentiel. Alors, on avait dit... Attendez. On avait dit, voilà, sur le plan, la rivière fait une petite merde comme ça, là, hein, n'est-ce pas? Bon, ça serait surprenant qu'il se retrouve là, parce que le précédent trésor, souvenez-vous... Enfin, un des précédents trésors, on l'avait trouvé là. Me semble-t-il, hein, Del Lobo Rock, là où j'ai glissé chef. Oui, c'est totalement là. Mais en même temps, ils disent Rio del Lobo en face. Moi, Gilles est là. I've got a feeling. Allez. Pourquoi pas, après tout. Plus à gauche, à ton avis. Oui, peut-être. C'est vrai que ça serait surprenant qu'il soit pile en face. Mais bon. On va voir. Ah ouais, le cheval il est bien là, regardez, j'ai une allure. Ah oui, mais il continue avec l'utilisation du processeur. Ah mais il me l'a tout le temps fait, je crois. Quand j'utilisais. Hein. Putain, mais c'est incroyable. Il est. Oh là là! Oh, y'a un petit lapin aussi. Ah, oui, si, de nada, si, ah. Not a problem, sir. C'est vrai que le café est dégueulasse cette année. Bon, on se sert quand même, hein, sait-on jamais. Ça se revend, un sou est un sou. Salut, Matt Brook. Oh, Lord. This is nasty. Ah, et oui, Smozy One. Oui, attends, Gripoil, j'arrive. Nous sauvons la comté plus tard. Le jeu lag un peu. Ah ça y est, il faut actualiser. Ah oh, je vous jure, quel enfer. Pourtant, le PC est tellement au poil, quoi. Non, ça a l'air d'aller, si. Ouais, ça a l'air ok. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié un loup. Et ils me l'ont mis où, mon loup? What the fuck? Aveugle marne. Des pertes de FPS. Ah. Let's make this quick. Ça me rend ouf, hein. Je ne saurais l'expliquer. Ah, bravo, Nuts. Merci, j'avais pas vu. Merci, Nuts, pour ton nom. Bravo pour le sport. Moi aussi, il faut que je reprenne le sport. Le sport. Bon, allez, il y en avait un autre, mais on s'en fout. Ah, c'était un petit lapin. On est toujours, voilà, on est toujours importuné. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on s'en fout. Fuck off.
Fuck off the animals. Ah, on est déjà là. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est là? Bah non, c'est pas clair. Il est censé y avoir deux barrières de pierre. On va chercher ça. Hein. On va faire le... On va longer. Pourquoi ça lag du cul? Non, ça va. Ah oui, alors, souvenons-nous hein, que dans ce jeu-là, John Marston ne sait pas nager. C'est pas GTA V. C'est pas San Andreas. Donc, Molokaya. Quoique, là... Non, est-ce que c'est... Non, ça doit être vraiment des galères, enfin des rochers nuls superposés. On parle pas de montagne. I think. Quoique... Bon, ça chasse du mérou, là. Ça pêche du mérou, je sais pas quoi. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? What's going on? Ah! Alors oui, j'utilise du Dead Eye pour ça, mais voilà. Ça me fait plaisir de leur montrer que voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Hop. Non, c'est pas ça. De toute évidence, faut que je longe la côte encore. OMG. Hey, Arendis. Salut, Babarge. Quoique, sur la carte, ça a du sens. Attendez, je peux dézoomer la carte. Non, pas exactement. Le son qui bug. C'est quoi? Il y a une plante. Est-ce que c'est... Ce sont des figues de barbarie? Non. C'est une sauge du désert. J'ai l'œil. Merde! Oh putain! Je regarde le chat, mais c'est vrai que... Faut pas oublier qu'il y a ça, là. Il y a l'eau. Danger de mort. Donc oui, on va... Étudions juste, hein, la côte. Cherchons... ce motherfucking... voilà. Cette double rangée de pierres. Ah là, il y a des arbres nuls. Mais c'est... On cherche un arbre... Ah oui, c'est vrai qu'on cherchait aussi. Un arbre nul avec une... un crâne. Un crâne de bouquetin ou je ne sais quoi. Vous inquiétez pas. Ça va faire une grosse VOD en tout cas. Ah! Ramita de la Baia, si, ah! Cabron! Bon, je vois pas hein, pour l'instant. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Attendez, oh regardez, il y a un arbre qui a... Cet arbre-là a l'air d'être, comment dire, particulier. Ah, ça aurait du sens, la rivière a l'air de s'écarter. Is it it? Mais non. Mais cet arbre est absolument commun et nul. Oui, nous jouons sur Xbox One. Ah oui, du coup... Si, c'est assez en bas, je crois, sur le... Ah oui, ça m'aurait dit, là, utilisation élevée du processeur, mais fuck off, quoi. Ah, là, il y a des pierres. Mais bon, elles sont pas organisées, c'est de la merde, quoi. Could it be the treasure of my ass? The treasure de Lancôme? Eh, hey, ma, ah, si, oh, c'est vrai que le café est dégueulasse. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une hyène. On s'en fout. Non, mais de toute évidence. Oh! Alors ça, c'est... Oui, c'est ça. C'est évident. Oui, il y a des pierres, il y a un arbre. Il y a des crânes. Ok, on y est. On y est. Ah, si. Ah. Reste plus qu'à regarder la carte à nouveau. Parce qu'il est pas sous l'arbre, non. Il est pas au pied de l'arbre, il est plus bas. C'est-à-dire, il y a l'arbre, on fait le tour, il est... d'accord. Deuxième rideau de pierre à l'ouverture de mon sbire. Donc voilà, je passe par la gauche. Droite-gauche Zidane, là il y a ça, et donc il est là. Pile là. Inspectez. I found the treasure. Ah oui, mais putain, c'est vrai qu'après les trésors, j'espère que c'est pas tout de suite dans les régions au nord. La forêt au nord, là, de la map, elle m'effraie à chaque fois. Parce qu'on se fait attaquer par des ours sans les voir de nuit, ça me fait flipper. Un petit peu comme les bruits bizarres dans King's Quest. Alright. Quel est le prochain trésor? Ah, j'ai découvert la légende de l'Ouest qui rallonge le sang-froid, c'est fou.
Ah mais attendez, oh là là, bah ça c'est encore ces ambiances là. C'est au sud-ouest, au sud-est. Un de ces gros rochers là, donc c'est clairement le rocher du micro-pénis. Faut escalader tout en haut. D'accord, la montagne du micro-pénis. Très bien. Ah, c'est la tenue de la légende de l'Ouest. Ah d'accord, il faut la faire. J'ai déjà fini le jeu à 100%. Ouais, long time ago. Enfin, quand il est sorti en 2010, ou je sais pas quoi. Sur PS3. Bon, allez, faisons une mission quand même, sinon ça va commencer à se voir. Ça tombe bien, on est juste à côté de Chuparosa. Et donc, on va aller voir London Rickets. Pouette, pouette, pouette. Ah, j'ai peut-être reçu un samoussa. Attendez. Est-ce une figue de barbarie? Por favor, no es que esto tengo una familia! Merde, merde! Putain, je suis en bas alors que ça se passe en haut. Oh non, j'ai tué l'innocent! Ah bah voilà ce qui se passe quand on fait... C'est ce qui se passe quand on fait au pif. Oh non, 45, c'est augmenté! Oh non, on est en moins 100, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué des flics! Je voulais tuer les gentils et les méchants! Oh my god! C'est pour ça qu'on vise pas à l'aveugle! Ah merde! Ah, mais on a le droit à la meilleure musique du jeu! El Club de los Cuerpos! Ça ne durera pas longtemps cependant. Et merde. Bon bah il faut on va passer également par le bureau des primes pour payer notre dette envers la société. Putain mais quelle lose absolue quoi. C'est un accident. Le café va vraiment être dégueulasse cette fois-ci. Ah c'est... Oh là. J'ai pas trouvé le bouton pour interagir avec eux. J'étais convaincu que c'était sur le D-pad. Absolument point. J'ai fait autant de chemin que ça. Ah oui d'accord, ok. Perdido. Allez. Non, j'ai pas envie de faire les veilles de nuit de merde. Voilà. Ah si, ah ouais, ah c'est vrai, c'est... Si, si, ah. Café, café, dégueulasse. Merci. Allez, nous sommes innocents à nouveau. Pourvu que ça dure. London Rickets, donc. Ah. Buenas tardes. Ok. Que ferais-tu pour une paille de dollars, mec? Ah putain, c'est la partie de poker en diablet. Je crois qu'on est obligé de gagner, donc faut mettre la max. C'est un souvenir lointain. Doing fine, coffee's mess ici. Unlucky in love, lucky in cars. Garzon, champagne for everyone. Oh, champagne. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I. Parce que c'est la seule partie de poker de souvenir où on peut parier énormément d'argent. Oh, Marston, would you like to join us? Ou peut-être qu'il fallait venir avec la bonne tenue. What the fuck? Non, on va jouer. Sit down. Okay then, gentlemen. Ah, si. Mais arrête de parler, hanche-le! Alors. Très bien. Chaque main commence par une mise forcée appelée petite blinde. Oui, non, mais d'accord, je... I know how to play poker! Voilà, on mise en grosse blinde. Non, je vais avancer jusqu'à mon tour parce que ça m'ennuie. Bon, dame 10, c'est de la bite. J'ai combien de jetons?
Je crois que je suis obligé de gagner. Alors évidemment que Dame 10, normalement, on pourrait suivre vraiment comme un pauvre, parce que c'est de la merde. Mais je crois qu'on est obligé de gagner. Alors paf, Tuppy. Oh là là. Oh là là, mais oh le petit sexe-marne. Bah, attendez, on va pas passer. Petit sexe-marne. Par pitié. Ouais. Roi dame de trèfle. Bon bah c'est de la bite. Mais tapis. Comme ça voilà, on passe vraiment pour le mec insupportable qui fait chier. Tapis, tu dis combien Coco il paye? L'étranger se couche. Oh les mecs, ça joue jamais. You fucking cheat. Ah non, j'étais obligé de gagner, donc il fallait que je fasse petit et tapis à la fin. Non, je sais même pas si je suis obligé de gagner en fait. Je pensais qu'il, dans le scénario, il venait, il suivait à un moment forcément. C'est pour ça que je m'étais tapis. Là, on passait pour l'abruti de service, je me disais qu'il avait payé. Bon, c'est pas grave. Évidemment que ça joue mal. Ah, merci, Lovely X. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. No more cards game. Oh là là. There must be a name for this. Des bisous, Trapnest. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel? On m'a demandé de jouer. Oh là là. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. Ah d'accord, il faut. Be in no position to argue. Encore un duel à la con. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Allez. Merci beaucoup, Jetstrokes. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is gonna work. Quoi, ça va tricher? Rendez-vous au duel avec Ricketts. Ok. A duel is all about timing. Oui. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. C'est ça. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you pick your mark, the rest, my friend, is in the hands of fate. Bon, même si j'ai envie de tuer Jackie parce qu'il m'énerve. Steady now, partner. On va juste l'humilier, hein, bien sûr. Nobody steals from me, especially. Oh, mais oh, ta gueule. Spécialement un Américain. Oh, il mériterait sa balle dans la tête quand même. C'est vrai qu'à l'époque, bon, la conception de la violence n'était pas la même. Oh, très beau dégainage. Quoi ? Mais j'ai visé la main exprès 200 000 fois et il l'a validé que 3 fois et je meurs. Fuck this shit! Oh, je vais lui mettre dans la gueule, je vais lui mettre dans la gueule, en pleine gueule! J'avais dégainé, genre à la réflexe de ouf! Putain, je vais lui viser la moustache, quoi. What the fuck, quoi. Non, je vais réessayer quand même. Peut-être viser le flingue, quoi. Non, c'est vraiment de la bite. C'est vraiment de la bite. Ah, faut le tuer. Y a pas de... Ah, obligé de tuer. Oh là là. You should have stayed home, Yankee. Oui, parce que je me disais, je faisais bien le truc, quoi. Les réflexes étaient là, l'œil vif. Je suis deg. C'est pour mes frères incarcérés. Paf, purée de cervelle. Oh, Muller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Là, honnêtement, voilà. Your health. De toute façon, personne, il manquera à personne vu que personne n'arrivera à le connaître. You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Encore? Do you, Marston? Peleamos ahora. Ah si, el café, el degolazo, cabrón. Lâche la fille, cabron. Oh là là, on enchaîne quoi, comme cool chaîne. Ayúdame alguien. Ah si, si.
Let go of la chica! Let go of la chica! No merezco esto! No me gusta! Paf! Le scalp! Scalp au flingue! Ah merde! Bah putain! Oh là là! Bah c'est génial! Super! Ah oui, c'est vrai que je suis en visée expert! Restez calme! Ah oui, c'est vrai que j'ai aucune aide à la visée parce qu'on est des vrais! Tiens! Motherfucker! Quoi, mais genre il est vivant? Incroyable. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Ah, c'est vrai qu'il va falloir faire. Comment dire? Il va falloir s'y remettre. On n'a pas joué depuis très longtemps. Visée expert. La visée au stick. Bah oui, bah c'est pas de ma faute. Il est pas sorti sur PC, ma bonne dame. Ah, que calor! Incroyable. Salut le loup. La collection pour l'instant marche nickel. Enfin nickel, c'est pas la folie hein. Là j'ai du 10-10 cet après-midi. Donc 10-10 c'est largement suffisant pour streamer. Le problème c'est que il faut pas qu'il y ait une chute soudaine de l'upload qui l'emmène à un moins de 2 et que ça soit les drops en folie. Mais là ça marche très bien. Ah, vous avez vu ça Jean, c'est terrible hein. Voilà, hop. Ne vous inquiétez pas, c'était mes affaires. C'est un ami. Ah si, bah, c'est avec le café les gosses. Alors, hop. Bon, c'est une émission rapide, je pense qu'on peut s'en permettre une autre. Je sais même pas... Ah oui, y a pas le uptime sur Moobot. Ah mais vous avez le uptime en dessous du stream. Bon, soit. Refaisons une mission avec Landon Racket. Et là, ça a duré 850 ans. Le convoi mexicain. Drop en folie, c'est pas fini, mais non. Eh oui, le gringo, ouais, les cafés, oui. Come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Allez. Say, any word of Javier Escuela? Oui, c'est vrai que j'ai perdu moult honneur avec cette connerie là, de tuer des flics sans le vouloir. Why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated. 44 minutes, ah bravo. Donc vu qu'il y a eu les 5 minutes de pré-live, on est safe. Something like that. Bravo à vous, bravo à vous. Well, you've killed people. You live the life. Ah mais attendez, le chat, en effet le chat est dégueulasse. C'est parce qu'on voit pas de... Oh là là, mais c'est horrible. Merde, j'ai cliqué droit pour essayer de le... Ah c'est bon. Oh là là. Oh, j'ai tout qui bug. Oh my god. Fella, you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people on Fairline. Ah ouais, mais putain, c'est vrai que les pseudos bleus, c'est l'enfer. On changerait peut-être ça. C'est vrai que c'est l'enfer, les pseudos bleus. Merci beaucoup, Phil's French Frog. Et Papa Tapouf. Pour les subs. Merci beaucoup. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, alors, je voulais jouer à Splasher, mais j'ai pas eu de clé et j'aurais voulu l'installer avant et préparer la scène. Donc j'y jouerai Splasher, je l'achèterai, j'y jouerai plus tard pendant la semaine. Et Nioh, pourquoi pas? Mais il faudrait que je rebranche la PS4. Et je me demande si je veux faire Nioh ou bien plutôt, une fois que Red Dead Redemption sera terminé, me lancer dans les Souls et Bloodborne que j'ai jamais terminé. Donc, why not? Voilà. Technologique! Oh, des bisous! Ah, on la rencontre enfin, Louisa! Technologique, merci beaucoup. Technologique qui m'aide pour toutes mes démarches de style société. De type sociétal.
a prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Ils n'ont pas payé leurs impôts, salauds de pauvres. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Surtout que je connais les Kingsfield quand même. Kingsfield, c'est un peu de Demon's Souls, Dark Souls Origins. Ah si. Right. Allez. Here we go again. Here we go again. Ah, Gripwell. Whenever you're ready, partner. Allez. Go there. Ah, oh, de nuit, c'est chiant de nuit. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. Le DLC avec les zombies, on pourra le faire parce que j'avais pas terminé Undead Nightmare. Vous savez que moi, dès qu'il y a des coups de flip, des coups de surprise, j'ai plus de mal. Donc on rigolera, je pense. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find. Tibetain. My name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you. Oh là là, Tibetain. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. Merci GMFP, on verra, on verra. Il n'y a pas d'urgence. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be, stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charmed life. Le souci, c'est pas les jeux d'horreur, c'est les jeux où il y a des jump scares et des surprise attacks. Attendez, on doit les tuer ou... Oh bah personne n'a l'air de nous tirer dessus, hein. Mais je peux sauter dessus ou... Qu'est-ce que je suis censé faire là? J'ai pas m'énervé. Mais arrête-toi! Attendez! On m'a dit d'essayer de prendre le contrôle de ça sans endommager... Ah, sans endommager le chariot! Ah non, par exemple, Resident Evil 7 plutôt crevé, quoi. Mais non, mais... en toute cordialité. Mais non, j'ai pas lu parce qu'on discute. Non, Resident Evil 7, par exemple, non, ça va être compliqué. Et Resident Evil 7 en VR, par exemple, je ne sais pas comment c'est possible humainement. Let's go. You see that? Prison wagon. Ok. That must be them. This is our chance. Bon, sinon, je les tue, oui. See if you can take control of that first wagon. Une petite tuerie à l'ancienne. Voilà, je veux dire, dans le doute... Attendez, c'est Ricketts, ça, oui. Méchant ! Putain, le son qui bug ! Genre les phrases choc... Il recharge ce con. Bon bah forcément c'est plus simple. Mais moi je voulais faire ça en mode à la cool quoi. En mode à la cool, je prends le chariot et puis et personne ne sera blessé. Mais s'ils veulent utiliser les pistolets, forcément. Allez, on y va. L'Amérique, à l'Amérique. Voilà moi. Ah oui, attention. Les chevaux ne sont pas aussi endurants que le mien. Oh, le son qui bug, madame. Ah, oh, c'est très agréable.
En plus, pourquoi ça buggerait Enfin, ça n'a aucun sens. C'est parce que le PC est en PLS pour une raison qu'on ne s'explique pas. Grosse ambiance. Alors, bizarrement, Dead Space, je l'avais commencé. Sale. Il y a le train là-bas. Ok, il y a des méchants. Bad guys incoming. Bon, j'ai peut-être eu les chevaux dans le feu de l'action. Mais je vous jure, je voulais pas à la base. Tibetter. Motherfuck. Il est où le mec qui fait chier? Ok, en fait c'était une mauvaise idée, j'aurais dû tracer. Leave me alone. Je ne sais quel miracle, les chevaux sont encore en vie. L'Amérique. C'est vrai qu'on fait plus de viewers à 2h du mat. Avec King's Quest. Voilà, pourquoi se faire chier à streamer du Red Dead l'après-midi quand on peut faire 4000 viewers avec du King's Quest à 1h du mat. Ce qui te fait vraiment peur dans le fond, c'est d'ailleurs faux. Ah non, mais moi, de toute façon, c'est très simple. Dès que le jeu est en vue subjective et qu'il y a des jumpscares, je suis foutu. Ou même l'illusion qu'éventuellement, à un moment, il y aurait un jumpscare. C'est bien nice riding with you, Mr. Ricketts. Je suis très très bon pour rentrer dans des boucles de stress dans les jeux vidéo à la première personne. Alors j'ai pas fait Mafia 1 sur PC, j'avais fait Mafia 2 sur PS3, j'avais adoré Mafia 2. J'ai pas fait Mafia 3 à mon grand désarroi, mais il semblerait que ça soit un peu décevant. L'Amérique. Ok, on regagne de la réputation. L'honneur, non, visiblement. Ce qu'on nous propose sur la carte, c'est quoi? The D. Ah bah, c'est notre seul... Ah, De Santa, ce petit bêtaire. On va aller voir De Santa. On va faire une petite pause d'abord. Je vais aller me servir un verre d'A. Et peut-être pas reprendre du café, parce que trop de café tue le café. Est-ce que j'ai reçu un samoussa? Pas encore. Très bien. Des bisous YouTube, mais moult post-blog bien sûr.